Lawrence continue de grimper dans le classement des plus grands champions de N'oubliez pas les paroles et il vient de dépasser les maestros Caroline et Kevin. Un exploit pour le jeune homme dont l'ascension est absolument phénoménale. Un candidat historique. Depuis son arrivée dans N'oubliez pas les paroles, Lawrence enchaîne les records dans le jeu de France 2. Après s'être hissé 7e du classement des plus grands maestros de l'histoire de l'émission présentée par Nagui, il était entré dans le top 5 des plus grands champions de l'émission. Une incroyable performance sur laquelle il était revenu lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. C'était vraiment très symbolique pour moi parce que j'ai dépassé des maestros qui m'avaient vraiment impressionné, notamment Renaud, qui est une légende du jeu, et Manon que j'avais vu en début d'année atteindre les sommets. J'étais persuadé qu'elle allait battre Margot, d'ailleurs, donc me dire que je l'ai dépassé, c'est quelque chose de fou pour moi. Lawrence se classe 2e des meilleurs maestros N'oubliez pas les paroles, il a obtenu 419 000 euros de gains après 50 victoires. Lawrence a dépassé un nouveau stade ce vendredi 24 novembre. Il a obtenu sa 50e victoire, accumulé une cagnotte de 419 000 euros et se classe désormais à la 2e place du classement des meilleurs champions du jeu. Il dépasse de ce fait Caroline et Kevin qui étaient repartis respectivement avec 416 000 et 410 000 euros de gains. Et ce n'est pas le seul exploit du candidat. Deux jours plus tôt, le prodige a explosé son propre record en faisant retentir pas moins de 18 fois de suite la clochette lors de l'étape de la même chanson, qui permet d'écarter le risque de se faire battre par son challenger. Je vois des gens me regarder de loin, Lawrence, N'oubliez pas les paroles, évoque sa popularité, une longévité dans le jeu qui a des répercussions dans la vie quotidienne de Lawrence, comme il l'a confié à Nagui dans l'émission du mardi 21 novembre. Si est y arrivé, qu'on me reconnaisse, les tournages continuent pendant que si est y diffusé à la télévision, et pendant que je venais sur le plateau, alors que je me promenais tranquillement à la gare, en prenant mon sandwich, je vois des gens me regarder de loin, et ils ont fini par venir. La première fois, je ne savais pas quoi dire. L'animateur lui demande alors si c'est un moment gênant? Ce à quoi il lui répond, en vrai ça va, c'était mignon. Une popularité qui devrait encore grandir si le maestro détrône Margot la première du classement. L'avenir nous le dira.